Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle astuce. Cette astuce consiste à optimiser l'utilisation de votre PC en fonction de la configuration du PC. Alors, ça va être très 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 simple. Je vais vous expliquer ça très vite. C'est très facile. On va aller sur menu démarrer. On tape msconfig. Ah, j'ai mis un X. Voilà. Bon, msconfig, c'est compatible sur tous les Windows 7, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une TMAT ou je sais pas quoi. Vous allez dans l'onglet Démarrer, puis dans l'onglet Options avancées. Vous cochez Nombre de processus et vous le mettez au maximum. Donc moi j'ai multicore, donc dual core, un dual core, donc je vais mettre à 2 et je vais faire OK. Vous cochez rendre les paramètres, tous les paramètres de démarrage permanent, et vous cliquez sur appliquer. Vous avez choisi. Voilà, là vous mettez oui. Puis maintenant, il vous faudra bien entendu redémarrer votre PC pour que tout ça soit actif. Normalement, en fait, un ordinateur, si vous êtes dual core, quad core et tout, en fait, il n'utilise que un processus. Mais votre ordinateur peut utiliser tous les processus. C'est pour ça que je vous ai montré cette astuce aujourd'hui, pour pouvoir utiliser à 100% de votre processus. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Donc, à sa mémoire principale. Voilà. J'espère vous avoir aidé sur ce petit truc. On se retrouve à très bientôt. Abonnez-vous, likez et bien sûr mettez un petit j'aime. Allez, ciao ciao tout le monde!